Alors, la brasserie La Choulette a été créée en novembre 1986. Mais cette brasserie est la continuité de la brasserie Bourgeois de Cerf, qui était elle-même la continuité d'une brasserie plus ancienne, qui était le Cerf du Bois, et avant, du Bois le Coq. Donc ça remonte à 1885. Donc sans discontinuer, il y a toujours eu du brassage sur les lieux où nous sommes aujourd'hui. C'est une longue tradition de brassage sur les territoires comme dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Il y avait énormément de brasseries. En 1910, il y avait peut-être 75% des brasseries françaises qui étaient dans le Nord-Pas-de-Calais, ce qui est vraiment une particularité de la région. On est donc une des dernières du grand nombre de brasseries agricoles qui existaient début XXe siècle. Et en fait, la première choulette que nous ayons faite, c'est la choulette ambrée, qui était en fait notre recette de bière de Noël. Et comme elle était tout à fait excellente et prisée par nos clients, on a choisi ce nom choulette et on a fait ça toute l'année. On a l'habitude de faire des bières aromatisées puisque ça fait de nombreuses années qu'on fabrique des bières aux fruits et donc on est un petit peu spécialiste dans l'aromatisation. On s'amusait à faire aussi une bière aux légumes, vous voyez, donc une bière à la carotte qui est à la base une bière IPA, donc avec beaucoup d'amertume, beaucoup de houblon, et le jus de carotte permet d'adoucir cette amertume. On aime les fruits mais aussi les légumes chez Brasserie La Choulette. On a testé des choux, des artichauts et des topinambours, mais en vrai la carotte ça dépote. Nous faisons des visites de la brasserie, mais sur rendez-vous, et cette visite va comprendre la visite du musée, avec une explication un peu de l'histoire, un petit peu du matériel, suivant l'intérêt des personnes. Et puis ensuite, on ira voir la brasserie, en particulier la salle de brassage qui date de 1920, et puis un petit peu notre embouteillage. Et ensuite, il y aura une dégustation, mais tout ça, évidemment, se fait sur rendez-vous et quand les conditions le permettent.